Hey, salut à tous, c'est Blackpaint, j'espère que vous allez tous super bien les gars, en tout cas moi ça va nickel. Donc nouvelle vidéo sur pour vous présenter les reliques extraterrestres du coup de la semaine 3. Donc comme prévu les gars, vidéo qui était prévue du coup pour une fois que j'ai des vidéos de prévu. Pour une fois que je... quand je vous dis j'ai des vidéos de prévu, j'essaie de les faire généralement. Donc attends, excusez-moi, je suis en train de faire un truc en même temps. Donc du coup les gars, reliques extraterrestres de la semaine 3. Donc on en a 4 pour cette semaine, on en aura 4 à récupérer. Donc on va partir tout de suite, on en a une à Slurp Swamp, on en a une à Bonneberg, on en a une je sais plus trop où. Attendez, je regarde ça, j'ai l'image là. On en a une à Coral Castle et on en a une à Craggy Cliff. Donc du coup voilà, il y en a 4. Donc on va commencer par le bas de la map, on va commencer par Slurp Swamp par exemple. Je voulais mettre un compte bot pour être sûr de pas être emmerdé, mais bon, l'ordi a un petit peu du mal ce matin. Ouais, l'ordi fonctionne, mais pourtant il est neuf. Hein. Il fonctionne, mais il a un peu de mal à se connecter. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. Je vais attendre un petit peu qu'il s'allume bien. Du coup, donc les gars, voilà, on en a une juste ici. Merde, on en a une juste ici. On en a une juste ici à Bonneberg. On en a une à Coral Castle. Et une du coup à Craggy Cliff. Donc là, bah attendez, on passe au-dessus de Bonneberg. On va peut-être commencer par Bonneberg. Ah, je sais pas en fait. Ouais. Non, parce que ouais, celle de Bonneberg va être plus chaude à prendre, je pense. Donc les gars, on va plus commencer par Bonneberg. Alors. Je sais pas si vous avez vu les gars, il y a les nouveaux défis de l'été cosmique qui sont sortis ce matin. Du coup en fait c'est que des défis à faire en map Pro 100. Donc si vous avez une map Pro 100, les gars je vous conseille de faire ces défis là en map Pro 100. Donc moi j'en ai une avec mon frère, vous savez mon frère il adore cette map. Du coup bah là en fait là il est pas là actuellement, mais dès qu'il va revenir du coup on va essayer de faire les défis sur la map Pro 100. Donc là les gars, je ne suis pas là du week-end, donc là je travaille ce week-end comme d'habitude. Donc vous n'aurez pas de vidéo ce week-end. Donc bref, donc les gars, quand vous arrivez, vous allez, c'est quel bâtiment? C'est celui-là. Donc vous avez le bâtiment du milieu qui est juste ici. En fait, vous aurez juste à casser le petit mur rose qui est là. Et hop, elle sera juste ici. En fait, voilà, elle sera juste là. Toi, je sais pas ce que tu fais. Frérot, là, je l'ai vraiment, genre, je l'ai vraiment pas eu. Attendez, je vais juste essayer de le tuer. Je sais pas où il est parti. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, là, pour la première, on va essayer. Est-ce que je croyais que je pourrais aller à Slurp Swamp papier ou pas? Attendez, je vais essayer de trouver un véhicule si je meurs pas. Comme ça, on en fera deux dans la même partie. Mais en fait, je crois pas qu'il y ait de véhicule ici. C'est compliqué cette affaire. Hein. Le point, il est là-bas. Il y a une soucoupe à Weppingwood entre les deux. Si je pourrais prendre la soucoupe, ce serait pas mal. J'ai pas de pad, j'ai rien du tout. Bon, les gars, on va essayer d'y aller à pied. C'est ce que je vais me faire tirer dessus, je pense. Bon attendez, on va essayer de trouver un véhicule. Donc voilà du coup les gars pour Bonneberg. Donc c'est ce bâtiment là, si je dis pas de bêtises, c'est le bâtiment qui est juste là. Vous avez du coup un petit mur rose à casser avec un petit drap rose. Vous avez juste à casser ce petit mur et elle sera juste là. Alors on va aller à Slurp Swamp. Donc là je vais essayer de prendre la soucoupe. Du coup la soucoupe elle va nous emmener en l'air. Donc je pense que ça va être plus simple. On prend pas d'armes, hein, on s'en fout. Hop. Donc les gars, je vais bientôt arriver au niveau 100. Donc là, il me reste plus que un truc à acheter dans le pass du coup pour débloquer la page 10. Donc là, je vais arriver à la page 10 du pass. Du coup, du pass de combat. Donc c'est plutôt super. Les gars, vous avez vu, il y a Ruby du coup, le skin Ruby qui est sorti ce matin dans la boutique. Donc Ruby en mode été. En mode maillot de bain. Donc celle-là les gars je l'ai pas acheté encore parce que je vous avoue que j'attends le skin Julie, hein, on doit tous être d'accord, le skin Julie en maillot de bain est vraiment beaucoup trop beau. Donc voilà les gars, je vais attendre je pense le skin Julie. Surtout que là j'ai plus du tout assez de V-Bug. Donc j'en rachèterai que lorsque le skin Julie sortira. Donc du coup on va prendre la soucoupe. Voilà, nickel. Voilà, ok, nickel. Donc du coup les gars, go Slurp Swamp. Donc voilà, on en aura fait deux. Après on relancera une partie pour celle de Craggy et de Coral. Donc là les gars, pour Slurp Swamp, en fait ça va être hyper simple. Vous allez arriver ici. En fait ça va être, où est-ce qu'elle est déjà? Elle est là.
Vous arrivez en fait là, vous avez le conteneur où vous avez le coffre, allez dans le bâtiment qui est juste là. Donc là pareil, en fait quand vous allez arriver, je vous conseille de vous build du coup un tout petit peu. Donc là voilà, vous cassez ça, vous cassez le petit truc en métal, etc. Oula, gentil, on va essayer de la prendre. Donc là les gars, en fait vous rentrez dans le bâtiment, vous montez des marches et elle sera juste là. Dans le coin. Donc vous jouerez juste à la prendre. Et hop, voilà, donc vous voyez, il y a déjà une rampe. Donc il y a déjà quelqu'un qui l'a pris, je pense. Attendez. J'aurais juste envie de tuer ce mec. Je vais essayer de tuer ce mec. Pardon. Il m'a mis une balle, je suis mort. Il m'a mis une tête. Ok. Bon, du coup, les gars, je vais relancer une partie. Du coup, on va aller à Coral Castle. Donc, moi, je vous retrouve tout de suite pour Coral Castle et Craig Cliff. Du coup, les gars, re pour la vidéo. Donc, là, ça va être chaud. Je pense que Craig Cliff, c'est Coral Castle, c'est vraiment le début de bus. Donc, on va essayer de ne pas mourir, les gars. Alors, Coral, normalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bon, vous savez, quand il y a un défi à faire quelconque, c'est un petit peu plus chaud. Donc, par contre, celle de Coral, je sais pas du tout où elle est. Je ne sais pas du tout où elle est. On va regarder sur l'image où est-ce qu'il la situe. Il la situe juste au-dessus du... Il la situe juste là en fait, juste au-dessus du R normalement. Donc elle serait normalement vers là. Elle serait dans ce grand bâtiment. Ah oui d'accord, ok, elle est dedans. Je l'ai vu les gars, elle est juste dedans. Donc en fait voilà, en fait vous posez sur le toit du coup du bâtiment principal. Il y a un mec dedans, c'est super. Vous cassez du coup le toit du bâtiment principal et elle sera normalement, je viens de la voir, elle est juste là. Hop, voilà. Vous la prenez, je l'ai eu ou pas? Ouais. Toi t'es cool, je vais pas te tuer. Donc voilà, en fait, voilà, elle est juste là en fait. Vous cassez le bâtiment et elle sera juste ici. Alors on va essayer d'aller à Craigie Cliff. Est-ce que vous pensez que je pourrais aller à Craigie Cliff comme ça ou pas? En passant par l'eau, ce sera peut-être plus rapide. J'aurais eu un bateau, ça aurait été vraiment nickel. Mais bon, on va essayer d'y aller à pied comme tout à l'heure, comme ça nous fera moins de... Ça nous fera plus rapide. Donc on va essayer d'y aller comme ça. Craigie Cliff, c'est pareil, je sais pas du tout où elle est. Du coup, on va voir ça ensemble. Hop, donc go. Ouais, je pense qu'on va... Ah, il y a peut-être un bateau là. Faut espérer pour qu'il y ait un bateau ici. Craigie Cliff, je vais regarder où elle est. Craigie Cliff, elle est... Attendez, je regarde. Craigie Cliff, elle est juste au-dessus du L. Merde. Elle est juste au-dessus du L, apparemment, de Cliff. Elle serait pile là. Ok, bon, on va aller voir. Ah, il y a encore un requin. Putain, je savais même pas que les requins étaient encore là. Bon, on apprend des trucs. En gros, on n'est pas du tout dans la zone. Bon, c'est pas grave. De toute façon, cette partie sera pas faite pour être jouée normale. Alors, du coup, les gars, on va se rendre tout de suite à Craigie Cliff. Hop. Donc là, les gars, en fait, je sais pas, je crois qu'on en récupère 3 par truc. Je crois que c'est 3 ou 4. Je crois que c'est pas une. Hein. Je crois que c'est 3 ou 4 à chaque fois que vous en trouvez une. Donc, les gars, pour autre moyen d'en récupérer, vous devez tous le savoir, ça sera dans les coffres cosmiques, du coup. Donc il y avait un bug juste après la mise à jour, on pouvait plus ouvrir les coffres cosmiques. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous. Il y avait un gros bug, on pouvait plus du tout. Ah merde, j'ai plus d'essence. On pouvait plus du tout ouvrir tout ce qui était coffres cosmiques, etc., etc. Oh, il est stylé son truc lui, le blanc rouge. J'espère qu'il va pas me suivre. Non, c'est bon. Ah putain, j'ai plus d'essence, fais chier. J'espère qu'il va pas me suivre, les gars. Oula, il y a un gros lag là. Donc du coup, ouais, donc voilà, donc les gars, il y avait un gros bug au niveau des coffres cosmiques juste après la mise à jour. Alors pourquoi, je sais pas. Epic Games a dû y avoir un bug. Mais du coup là c'est bon, il y a eu un bug pendant au moins le lendemain, je crois. Le lendemain ça a aussi bugué. Je vais build un peu pour essayer d'aller là-haut. Mais après les gars, voilà, en vrai après c'est passé vite hein. Donc voilà, nickel. Hop, voilà. Donc du coup les gars, elle était normalement juste au-dessus du L. Donc on va aller voir au-dessus du L. Ça se trouve elle est dans la grande maison.
Je me loot, mais je sais pas du tout à quoi ça sert, parce que de toute façon, je quitterai la partie juste après. Donc le pont est juste là. Donc je pense qu'en fait, les gars, je pense qu'elle est là-haut. Il y a d'énormes chances pour qu'elle soit tout en haut. Je pense, hein. Elle est pas là. Non, en vrai, les gars, je pense qu'elle est en haut. J'ouvre les coffres, hein, comme ça fait de... ça fait toujours de l'XP en plus. Merde. Elle est pas là, par contre. Elle est peut-être plus haut, du coup. Est-ce qu'il l'aurait mise sur le toit? Ah, attendez. Elle est pas là? Ah bon? Le shield, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Normalement, elle aurait pu être là. Le point, il est juste là. Au-dessus du L, normalement, c'est... Ah non, 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 attendez, 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 j'ai fait une erreur là. Bah si, je suis bien au-dessus, je suis bien au-dessus du... Au-dessus du L là. Où est-ce qu'elle peut bien être celle-ci? Du coup, les gars, là, je la cherche en même temps que vous. Ah! Elle est là, ok. Donc, les gars, en fait, allez au bâtiment qui est le plus proche de la plage. Du coup, quand vous arrivez sur la plage, vous avez le bâtiment où il y a tous les bateaux. Elle est juste là, en fait. Voilà, vous montez les marches. Elle est juste ici. Donc, en fait, voilà, vous descendez. Vous. Faut juste construire un petit peu. Voilà, donc, du coup, voilà, en fait, voilà, il y en a 4. Et du coup, voilà. Donc, voilà, les gars, ça fait les 4 d'obtenus. Donc, là, on va quitter. On va repartir au salon vite fait. Donc là, 4, 8, 12. Donc là, j'ai dû en récupérer du coup 16. Donc on va voir ça. Mais là, du coup, je dois en avoir 16. Donc bah, du coup, les gars, c'est cool. Hein. Au moins, ça vous permet d'acheter. Donc voilà, 16. Donc voilà, donc c'est nickel. Donc là, 16, du coup, voilà, ça vous permet du coup de custom ce skin là. Donc moi, je vais pas tout acheter. Je pense qu'il y en a qui sont pas beaux. Genre celui-là, il est vraiment moche. Là, j'ai pris celui-là. Là, j'ai pris celui que je voulais. Donc je voudrais celui-là. Mais en fait, pour acheter celui-là, il faut les acheter tous avant. Donc c'est un petit peu plus chiant. Là, les yeux violets, c'est pareil. Faudra tout acheter. Là, je lui ai pris ça. Là, je vais lui prendre un truc comme ça. Je pense que j'avais. Je voulais prendre quoi? Du noir, je crois. Ah, mais putain, le noir, c'est pareil. Je peux pas le prendre. Évidemment, donc là c'est un petit peu chiant, il va falloir que je change de couleur. Bon, je sais pas. On verra bien les gars, de toute façon voilà. Donc après, une fois que vous les avez, vous customisez vos skins comme vous voulez. Et puis bah voilà. Sur ce les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, à commenter si c'est pas, si c'est pas déjà fait. Vous abonner surtout, c'est très important. Vous abonner. Excusez-moi. Donc voilà, rien de nouveau sans ça. Du coup les gars, ce sera la dernière vidéo de la semaine, je pense. Week-end, il n'y en aura pas. Il y aura des vidéos qu'à partir de lundi, je pense, là, après. Donc voilà, on verra ça. Je pense, ouais, lundi, la prochaine vidéo, je pense lundi. Et puis voilà. Sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.